Chaque samedi soir, Léa Salamé reçoit des invités pour débattre sur l'actualité. Découvrez quelles seront les personnalités présentes ce samedi 25 février sur le plateau de Quelle Époque. Depuis la rentrée 2022, Léa Salamé est aux côtés de Christophe de Chavannes, Philippe Cavé-Rivière et Paul de Saint-Cernin chaque samedi soir dans Quelle Époque. Chaque semaine lors de l'émission, différentes personnalités issues de divers milieux, cinéma, télé, littérature, politique, sport, viennent débattre sur divers sujets d'actualité et parler de leurs propres projets. Ce samedi 25 février, l'animatrice a invité Yann Moix, Michael Youn, Evelyne Delia, Stéphane Guillon, Philippe Croizon ou encore Monsieur Poff et Pierre Serve. Michael Youn et Evelyne Delia présents sur le plateau toujours aux commandes des bulletins météo de TF1, Evelyne Delia était également visible sur une autre chaîne du groupe, TMC, ce vendredi 24 février. Dans le documentaire Jean-Pierre Pernaut, un an déjà, la présentatrice est notamment revenue sur le jour où elle a appris la mort du célèbre présentateur, qui était un ami de longue date. À ses côtés dans Quelle Époque, les téléspectateurs retrouveront Michael Youn, qui fait la tournée des plateaux télé et des studios de radio pour présenter son dernier film, BDE, diffusé sur Prime Video. L'histoire porte sur Bob, Michael Youn, Max, Lucien Jean-Baptiste, Vinetz, Vincent Dessagna, et Roman, Elena Noguera, qui se retrouvent tous les ans pour un week-end régressif de fête après avoir été membre du bureau des élèves, à l'époque de l'école de commerce. L'ancienne star du Morning Live, qui affirme faire les mêmes bêtises qu'avant, va-t-il faire le pitre sur le plateau de Léa Salamé? Retrouvailles entre Léa Salamé et Yann Moix le samedi soir dans un registre qui s'annonce moins drôle, Yann Moix sera aussi dans Quelle Époque. L'ancien collègue de Léa Salamé dans On n'est pas couché s'est retrouvé au milieu de l'actualité pour ses démêlés judiciaires après ses propos virulents sur son frère et sa famille. Avec son franc-parler, les débats risquent d'être animés. L'humoriste Stéphane Guillon sera également de la partie, à l'instar de Philippe Croizon ou encore du journaliste Pierre Serve. Le TikToker et gentilhomme Monsieur Poff se joindra à la table. À lire aussi Je bégayais beaucoup, Paul de Saint-Cernin, Quelle Époque, ce livre sur son parcours étonnant article écrit en collaboration avec 6 médias.